Salut les cracottes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec... Bonjour les cracottes, c'est Thomas. Voilà, l'homme d'affaires aujourd'hui, regardez ça, lunettes, chemise, lève-toi, vas-y, montre-toi. Mais on dirait pas, mais en fait je sors de l'école, c'est pour ça. Oui, il a repris ses études, ce petit grand garçon. Voilà, c'est comme ça que je l'habille dans la vraie vie du non YouTube. Non mais ils vont tous se désabonner, arrête. Ouais, c'est clair. Mais non, en fait, on s'en fout. Alors, et on est là pour quoi en fait? Mais fais-nous un striptease, enlève tout aussi. Non, c'est bon, c'est juste les lunettes. C'est juste les lunettes. Bon, ça va. Regarde, Superman. Ou là, je suis Superman. Bref, on s'en fout. Bon, on s'en fout, bref. Allez. On se retrouve aujourd'hui pour une dégustation. Pizza! Yeah! Avant de commencer la vidéo, juste avant de commencer les choses sérieuses, il y aura deux teams dans cette vidéo. Bien sûr. Alors, pour moi, ça sera la team, enfin, hashtag team sauce blanche. Je suis fatiguée. Alors, il est très tard également. Alors, est-ce que vous êtes la team... Ça, c'est quoi de nouveau? Je suis fatiguée. Team crème, c'est ça? Oui. Alors, alors, en fait, en gros, il y a des pizzas à base de crème et à base de sauce tomate. Moi, personnellement, je préfère la pizza à la base de crème parce que je trouve ça plus onctueux, meilleur. Enfin, bref. Donc, moi, je suis hashtag team crème et... J'ai même pas envie de le préciser puisque quand il y a de la crème, ça s'appelle une flamme cuche, ça s'appelle pas une pizza. Flamme cuche déjà, quand on se va parler alsacien, on se tait. Donc ah. Moi je suis la team sauce tomate. La vraie pizza, la seule et l'unique. Enfin la crème. Bon, tu vas arrêter de vendre ton truc, le commercial là. T'as terminé le boulot, c'est bon. Bon, donc on se retrouve. Voilà, donc il y a deux teams. On compte sur vous pour dire ça en commentaire. Quelle team êtes-vous? Ouais. Soutenez-moi un peu quand même, parce que je perds souvent, je trouve. C'est dégueulasse. La fille, elle a pas des goûts normaux, quoi. C'est tout simplement. Tu sais qu'aujourd'hui au salon créatif de Montpellier, j'ai dit oui, les sushis, on a fait et tout ça aux organisateurs. Et je dis, mais il y a la team sauce sucrée et la team sauce. Ah, bah c'est la sucrée, la valeur sûre. Je les ai regardés, je dis, mais pour de bon, vous faites ça? Et ouais, les gars. Ah, bah non, c'est la salée. Voilà, bon, bref. On continue. Alors déjà, pour vous dire, on a 5 pizzas ultra magnifiques. Déjà, je tiens à le préciser, elles sont belles. Oui. Pâte fine, j'adore la pâte fine. Et qu'on a commandé à un endroit spécial qu'on vous recommande. Et là, vous pouvez dire oui, 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 c'est du placement, non pas de produit, mais du placement d'amis. Parce que... Et oui, c'est du placement d'amis de Miramas. De Miramas. Coucou Virginie, coucou tout le monde. Et donc alors, voilà, on les a commandés à la pizza gourmande. Allez-y. Donc ils sont sur Miramas. C'est tout nouveau. Depuis décembre, ils ont créé leur... Enfin créé, ils ont monté leur pizzeria. Donc ça se trouve exactement à la récré gourmande. Pour ceux qui sont de Miramas ou du coin, je vous conseille d'aller faire un tour. Pas loin du lycée, pas loin du lac, voilà. Bon, Miramas c'est pas très grand, donc normalement vous devriez trouver facilement. De toute façon, on mettra tous les liens en barre d'infos. Page Facebook, leur petit lien qui vous permettra de retrouver facilement l'ensemble de leur pizza et leur petite page Facebook. Voilà avec donc toutes les actualités. On n'a pas abusé pour pas les ruiner, on a pris que 5 pizzas, mais je pense que ça sera déjà pas mal. En fait, on a mangé pendant un petit moment. On a fait des pizzas assez différentes, donc déjà 2 pizzas qu'on préfère. Oui. Thomas, c'est la pizza en choix. Alors, moi je suis pas trop fan, et moi c'est la pizza 3 fromages. Voilà. Et la après. La même cuche. La famille Kutcher, c'est pas du tout la même chose. En fait, t'es hors sujet quoi. Bon, bref, on s'en fiche. Donc aujourd'hui, nous allons déguster les pizzas parce que vous avez quand même été beaucoup à nous le demander en dégustation. Ouais. Et qui n'aime pas les pizzas, dites-le moi. Ça n'existe pas. Ça existe? Je sais pas. En tout cas, les Tortues Ninja, elles adorent les pizzas. Tortues Ninja. Vas-y, chante, t'as pas un chanson. Tortues Ninja. Bon, en fait. Kowabunga, le cri des ninjas. Ouais. Bon, je crois qu'en fait tout le monde s'en fout, ça fait au moins 5 minutes qu'on parle, on va bouffer. J'ai une semaine de merde, je pas savoir, je crevais. Je suis allé à l'école de 8h à 8h tous les jours. Alors, et en plus, bon. Il avait des devoirs le soir. Et précision, tout en anglais quand même. Voilà, on mange. Allez, on mange. Alors, on commence, attention. On voit plus Thomas, salut, basta. Hasta la vista. Attends, viens, on va. Genre, la pizza, alors elles sont pas vendues comme ça. On a fait la miniature. Oui, on a fait la miniature. Ah, le premier morceau est là. Donc là, c'est la 3 fromages, mais sur une base de sauce tomate. Parce qu'en fait, on retrouve souvent la base de la 3 fromages sous une sauce. Pourquoi je veux dire blanche? C'est à cause du kebab, ça. Qu'est-ce que tu fais? Mais laisse-la tranquille. Allez, allez. Ah. Voilà. Hop. Allez, mange. Ah, tu croques dans la main? Oh non. Je rigole. Allez. C'est trop bon. Je sais pourquoi c'est ma préférée. Donc c'est 3 fromages mozza, roquefort et chèvre.
Allez, continuons. Alors, j'ai pris, en fait, si vous voulez tout savoir, c'est moi qui ai tout choisi. Moi, j'ai pensé quand même à lui pour l'anchois. Du moment qu'il y a de l'anchois, ça me va. Voilà. Donc, ici, alors, on va ouvrir quand même parce que quand on n'ouvre pas, on sait. Une flamme cuche. Non. Alors, oh, elle est pas belle. Honnêtement, elle est pas belle. Oh, elle est magnifique. Est-ce que ça, c'est vraiment une pizza, quoi? Je trouve pas. Je trouve que c'est ça, ça a l'air bon, mais c'est pas une pizza. Mais en fait, tout ce qui est pas sur une base de sauce tomate, tu vas me dire c'est pas une pizza. Non, c'est des flammkuchen, c'est des... Est-ce que tu veux? N'écoutez pas. Non. Allez, on coupe au montage, on le voit plus. Alors ici, c'est une savoyarde. Mozza, lardon et reblochon. Oh là là, ça va trop bien avec la saison. Dédicace au 7-3 et au 7-4. Ok. Donc là, c'est vraiment pour la saison, l'hiver, il fait froid, il faut se réchauffer, il faut manger du fromage. Quand vous êtes à Megève, en train de faire du ski. Eh bien, même quand vous êtes à Miramas et que vous avez froid, vous mangez des pizzas. Voilà. Allez, on y va. Ouh, regardez-moi ça. Regardez ça. Elle dit, mange-moi, mange-moi. Oui, oui, oui. La pizza ne parle pas du tout. Parce que t'as froid, tu claques des dents. Et moi, du coup, je vais mettre un peu de sauce pimentée. Non, mais quand je te dis qu'elle est bonne, franchement, elle est excellente. Je crois qu'en fait, les trois fromages, elles passent après elle. Ah ouais? Elle est pas trop bonne? Pour une femme, une plus? Non, mais il est chiant, mais il va être... Oh! On va continuer parce qu'en fait il m'a abandonné. En fait il aime pas les flammkuchen. Enfin si, il aime ça, bon, bon bref, on s'en fout. Mais voilà, il mange jusqu'à la fin la part. Il a faim surtout. Mais elle est bonne. Super bonne. Alors, on continue. Ah, tu vas m'adorer encore. C'est... Non, alors celle-ci, attention, tenez-vous bien. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est la pizza kebab. Attention, la pizza kebab arrive. Regardez-moi cette merveille. Alors pour ceux qui aiment les kebabs, hein, vu que dans la dernière vidéo kebab, vous avez kiffé, et bien là, vous avez la pizza kebab, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez déjà mangé une pizza kebab? Très bonne question, moi je n'ai. Moi non plus. Alors allons-y. Alors, juste pour préciser dans cette pizza, elle est à base de mozza, de kebab, enfin de viande kebab, d'oignons, d'olives et de tomates. Elle a l'air trop bonne. Alors franchement, par contre, il y a un truc que j'adore sur les pizzas, c'est quand la pâte, elle est fine. Ouais. Et là, elle est fine, elle est vraiment trop bonne. Franchement, elle est trop trop bonne. Si vous n'avez jamais goûté une pizza kebab et si votre pizza lolo en fait pas, vous leur dites, vous faites maintenant la pizza kebab. Attention, est-ce que c'est... Attendez, on va quand même faire bientôt un roulement de tambour. Est-ce que la pizza Thomas va arriver quand même? Oh, attention, la pizza anchois. Voilà, la base. C'est-à-dire que si dans une pizzeria, la pizza anchois n'est pas bon, aucune pizza n'est pas bonne. N'est pas bonne. Alors là, elle va tout casser. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Regarde ça. Ta-da-da. Voilà. Donc, pizza anchois à base d'anchois. D'anchois et de sauce tomate. Voilà, comme une vraie pizza. Des herbes, encore un petit peu de Provence, je dirais. Olive. Alors, moi qui suis pas trop fan des anchois, je vais vous dire. Hein, parce que c'est. Enfin. Non, elle est bonne. Mais j'ai pas dit qu'elle était mauvaise. C'est juste que moi, l'anchois, c'est pas trop mon truc. Elle est vachement bonne. Et d'ailleurs, je vais finir parce que là, c'est vraiment trop bon. Sauce tomate est vraiment très bonne. Non, c'est bon, mais en fait j'aime pas trop l'anchois, donc c'est un poisson particulier quand même, hein. L'anchois, c'est la base. Non, elle est bonne pour ceux qui aiment l'anchois. Moi, c'est l'anchois qui me perturbe. Pour finir, alors là on termine par le best, par le meilleur, par la spécialité de la pizzeria, à savoir la pizza royale. Qui ne connaît pas la pizza royale, c'est le classique quand même. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la pizza royale? Alors on a de la sauce tomate pour Thomas, donc là ce n'est toujours pas une flamme cuche. Voilà. On a également du jambon, des champignons et pour finir de la mozzarella. Ce qu'il faudra retenir sur cette pizza, tout de même, je tiens à préciser donc le jambon, mais ce qu'il y a vraiment de très important, c'est les champignons. Ils sont bien épais et c'est des champignons frais. De Paris. S'il vous plaît. De Paris. Mais vraiment de Paris. Genre ils ont été cultivés dans Paris vers la Tour Eiffel. Non ouais, pas trop, il y a beaucoup de pollution. Ouais. Ah ouais, alors quelque part quoi. Donc voilà, juste pour vous dire, cette pizza, c'est la spécialité de la maison. Et comme vous pouvez le voir, juste les champignons, ça se voit que c'est pas des champignons achetés en boîte, c'est vraiment des champignons frais. Donc on va vous dire tout de suite ce qu'on en pense. Chez la pizza gourmande, la pizza est en effet gourmande. Parce que là, niveau champignons, ils sont allés forts quoi. Faut aimer les champignons, mais moi j'adore. Et pour le coup, elle est super bonne. Et ça se sent que c'est des champignons frais. Parce qu'on en mange quand même des pizzas, hein, mais...
Ah ouais. Et là, pour le coup, on sent que c'est des produits frais, c'est trop bon. Tu trouves ça comment? Très très bon. C'est très bon. Alors, comment vous dire? On n'a pas testé toutes les pizzas parce qu'il y en a beaucoup, on a fait une sélection. Non, on a beaucoup aimé. Là, on était en mode un peu tranquille, fatigué, etc. Mais moi, je dis que si jamais on fait une chaîne de pizzas... Une chaîne? Une chaîne. Pizza. Genre, on monte... peut-être qu'un jour, ouais. Voilà, okay. Pizza, etc. Et cette fois-ci, on prendra toutes les pizzas. On va se retrouver avec genre... On va mourir, hein. Sûrement. Un jour, peut-être. Ouais. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse un pizza hut avec toutes les pizzas, qu'il y ait de quoi nous cacher, tu vois. Ou la taille, le poids de Fuji en pizza. Alors, je pense que oui, ça sera peut-être à faire, mais je pense que j'apprécierais moins les pizzas de chez Pizza Hut que ce que je viens de manger, quand même. Ça, c'est sûr. C'est pas pareil. C'est pas les mêmes, quoi. C'est pas pareil. Ah, d'accord. Là, c'est de l'artisanat, madame. Ah oui, non, mais je pense que c'est à tester, mais je pense que je serais pas aussi emballée que j'ai été là emballée, on va dire. Non, mais par contre, il y aura beaucoup de pizzas emballées. Ça, c'est sûr. Ah, c'est pas mal ce jeu de mots. Enfin bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. On a dégusté des pizzas. N'oubliez pas en commentaire, vous êtes la team sauce. Oh, j'y arrive pas. Elle c'est sauce. Pas la team. La team crème cuche ou la team pizza. Vous êtes la team crème ou la team tomate. Voilà, donc ça, tout ça avec des hashtags, vous nous dites tout ça en commentaire. Et surtout, quelle autre dégustation souhaitiez-vous voir sur cette chaîne? Sachant qu'on a prévu deux dégustations qui vont obligatoirement vous plaire les prochaines semaines. Ça a été beaucoup demandé, mais on ne dévoilera pas le secret. Il suffit de regarder les commentaires, vous comprendrez tout seul. Et moi, tu sais ce que je me ferais? C'est pas trop dans les commentaires, mais je me ferais bien une dégustation couscous. Tu sais, genre plat marocain. Genre couscous tagine et tout? Ouais, couscous tagine. Ah, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Couscous tagine? Tagine couscous? Tagine abricot? Ouais, mais ça va se faire. Ça va se faire, moi je dis, je me sens. Mais on compte sur vous quand même pour nous dire ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse pas, on le fera quand même pas. On le mangera tout seul sans vous le filmer. Enfin, voilà. Voilà. Et là, on a de la pizza pour les 10 prochains jours. Donc... Bah, on a de la bonne pizza. Donc, moi je dis, moi ça me va. Ouais, c'est parfait. Donc, voilà, donc, n'hésitez pas, si vous êtes de Miramas ou du coin, d'aller faire un petit tour. Donc, à la pizza gourmande. C'est vraiment tout récent. Leurs pizzas, bon, on vient de tester, elles sont excellentes. Vous pouvez dire que vous venez de la part de Kex Paradise et Tom4FR, ça nous fera toujours plaisir de leur dire. Je suis pas sûre qu'elle saura Tom4FR. Ouais, alors Kex Paradise tout court, oui, Thomas, voilà. C'est pas à leur dire. Donc tout ça est en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller les rencontrer. Enfin, les rencontrer. Pourquoi je suis. Et on va faire des dédicaces de pizza aussi. Alors, juste pour info, parce que je sais pas, je pense pas que j'ai dit, les pizzas, vous pouvez les chercher à emporter, mais ils font également de la livraison sur Miramas. Donc, pour les Miramasiens, c'est comme ça qu'on dit. Elle habite dans la ville, elle sait pas comment ça s'appelle. Je suis pas d'ici, moi. Les Miramaséens. Les Miramaséens. T'es né ici, on est d'accord. Tu vois, moi, au moins, les gens, ils ont un nom de ville. Tu vois, c'est pas comme un Steinbrun machin, ils s'appellent les Steinbrunnais. Bon, on zappe. Voilà. Bon, bref. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, je mets tout ça en barre d'infos. En tout cas, on vous fait plein de gros bisous les cracottes. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, sachant que là on est que samedi. Parce qu'on bouge beaucoup les derniers temps, voilà. Voilà, on sera d'ailleurs à Chamonix. Chamonix, on sera à Lyon lundi. On sera à Annecy. Annecy, mardi. Voilà. Et à Marseille jeudi. Donc, ah mais je peux pas dévoiler. Hein. C'est pour une dégustation, chute. Oh, chute. Enfin, dégustation de bouillabaisse. Et c'est pas mal ça. Bon, je suis pas sûre que ça plaise. Voilà, dégustation de bouillabaisse. Moi, je crois qu'on va couper court, on parle vraiment trop pour rien dire. Je vais mourir. Voilà, il va mourir, faut qu'il enlève sa chemise, il est en train de compresser. S'il lève les bras, vous allez pas voir, mais il transpire. Zéro. Allez, sur ce, on vous fait plein de gros bisous les cracottes. On se dit à très vite. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de commenter.